Ramadan, école de patience. Dieu dit, sois patient à l'arrêt de ton Seigneur, tu es sous nos yeux. Glorifie par la louange la transcendance de ton Seigneur quand tu te lèves, et une partie de la nuit, glorifie-le et encore au déclin des étoiles. Dans ces deux versets, Dieu nous invite à prendre de la hauteur et à contempler le monde du haut de ce sommet coranique. Si l'épreuve semble provenir d'ailleurs, Dieu nous rappelle qu'il s'agit en réalité d'un décret venant de lui. La patience est la vertu qu'il apprécie dans ces moments difficiles, et il nous rappelle qu'il est présent et nous observe. Tu es sous nos yeux. Le croyant développe alors sa vie intérieure dans les moments de facilité, tout comme dans les moments de difficulté. Il ne baisse pas les bras, ne répond pas de manière inappropriée et continue de grandir sous le regard de Dieu jusqu'à atteindre sa majorité spirituelle.